Chasser un nageur, un gna, c'est 40 ombrages, c'est un gnacheur que. Et après ce sera Riftstalker. Et fabriquer équiper une armure avec une résistance de 350. Voilà, flemme. Well, these blades won't forge themselves. Keep him busy. Mais c'est chiant parce qu'il faut que je... Ah! Ça me saoule, hein. T'améliores quoi? Tout et rien. Tout ce que je peux. C'est pas mal ça. J'aime bien. C'est une bonne idée ça. What do you say, Slayer? Tu fais le kegou, tu gardes, tu mets les meilleures armures, mais tu récupères les skins. Tu laisses les skins de base, les recrues. Ah ouais! Ah ouais, arrives en contre vrai, les ça monstres doit être niveau trop 10, il bien. fait qu'est-ce que c'est le kegou, il y aura ça avec les armes de début. Oh mec, ça doit être trop bien de faire ça. Baisse ce truc ever, quoi. Sinon, pendant ce temps, il me reste encore deux trucs à trouver. J'ai regardé si j'ai d'autres trucs le coffre là, parce qu'à chaque fois j'utilise le même. Shrek, Drask, il y a le Pangar maintenant, mais je sais pas c'est quoi. Good to see you. Hello there. I predict success. Ouais, je vais chercher plus. 51% c'est mise à jour Xbox. Wow. Waouh, et après faut seulement installer le jeu, hein. Ah, 8 giga. Exagère, hein. C'est pas pour désespérer. Ouais, ça va, mais déjà quand tu vois que pour une mise à jour qui se fait de base en 10 minutes, Ouais. 10-15 minutes, ça fait quand même une heure qu'il est tué, quoi, à peu près. Alors. Oh, la patrouille. Alors, il faut que je fasse Scarn, Bomberman Balek, Nasher, Flemme, Scarn. Je vois faire le mob bien relou, tu sais, le Scarn, celui avec les pierres et tout sur le dos, et qui peut les mettre n'importe où sur lui, Ah ou les envoyer. oui, je le trouve pas chiant. Oh ouais, tu vas voir, vu qu'il est en puissance 8, tu vas voir. Mais il va être chiant en fait. Bah vas-y, fais péter. Bah choc P, si tu sais lire en haut de ton écran, il y a écrit recherche Ah du oui, serveur, enfin oui. deux serveurs. Écoute. C'est le mec qui m'embrouille. Allez, c'est parti! Attends! Non, c'est parti! Et... On recherche. Ah. Ah! Coup dur pour Guillaume. Never one. I be a like. My English is very... So beautiful. Tu vois, un jour on va contrôler notre vaisseau, et on va custom notre vaisseau. Ils se sont cru sur Destiny ou comment ça se passe? Ah, peut-être. Déchargement fini, maintenant vérification plus d'une heure. Sam.
Des petits sacs de PJM. Peggy 18, pas Peggy 13. Voilà. De quoi, qu'est-ce qu'il y a Peggy 18, j'ai pas suivi. Ah non mais quand on parlait de... des trucs, ce qui marquait dans Peggy 18. Le sexe. Oh, j'ai trouvé un truc. Ah, ah moi je les ai finis. Je les connais par cœur. À peu près. T'as regardé ici en haut? Ouais, j'en avais trouvé un tout à l'heure en haut. Ok, dis que je suis nul. Tu connais le secret de la map toi? Alors là. La grotte secrète. Tout ce qui est secret. Car viens. Viens. Vas-y. C'est là-bas. Suis-moi. Attends, merde, je t'ai perdu de vue. Gardienne. Ah, t'es là-bas, ok. Oh putain! Suis-moi, mon cochon. Hop, y'a la petite grotte secrète juste là-bas. Ah bah, je suis tombé là tout à l'heure ici comme une merde. J'arrive pas à grimper comme une pute. Il faut monter là. Attends. Voilà. Attends, je suis un jambiste. Je suis pas foutu de sauter. Mais hé! Non mais. Bon, attends, je vais montrer l'accès le plus simple. Je suis retourné au. Viens! Attends, j'arrive. Ne saute pas, sinon tu vas être perdu. J'ai déjà envie, toi. C'est bon! Putain! Maintenant, faut que tu fasses le jump dans le tuyau à ta droite. En fait, je fais chier parce que c'est le chemin le plus compliqué par là. Ça me fait rire. Y'a un chemin où il suffit de sauter sur. Accroche-toi, salope! Faut te mettre bien là, tu vois, et là, accroché là. Faut y arriver après toi. Bon, on va peut-être prendre le chemin un peu plus simple. Tu viens? Oh bah t'es perdu, c'est pas grave. Rachid? Ouais. Moi je continue quoi, vers la chute d'eau? Bien. Ouais, et vers la chute d'eau, il y a la grotte. Ok, et y'a quoi dans la grotte? Rien. Logique. Juste te faire perdre tout le temps, simplement. C'est bien, non? Au moins, t'as trouvé quelque chose. Pas par toi-même, mais tu l'as trouvé. C'est joli, non? Tu m'aurais dit, y'a un truc stylé à récupérer. Bon non, il y a rien, t'as cru que Fortnite, enfin, Fortnite, Epic Game allez te faire des cadeaux, sans que tu payes. T'es bah, dans l'instant, il donne un jeu gratuit par mois, apparemment. Ouais, mais après, ça c'est pour concurrencer Steam, hein, faut pas le dire. Voilà. Moi, en vrai, Steam et Epic Game, je suis pour personne. Mais j'ai tout ce que je peux te dire, je déteste Fortnite. Non, surprenant, j'ai vu des t'es un bonus. En fait, c'est pas Fortnite que je déteste, c'est les Battle Royale que je déteste. Ok. Comment c'est-à-dire les trucs les plus connus pour l'instant au monde. Parce que les Battle Royale, c'était quoi? Le premier que j'en ai fait, bah c'était sur Fortnite. C'était nul. Mon pote Mugi a fait, ouais, ok, j'ai tué un mec. Je suis ok, moi j'avais plus de vie, entre temps j'ai croisé un mec. Il m'a tué, je fais bon. Parce que je me suis battu 10 minutes comme une merde, je fais bon. En gros, en vrai, tu t'amuses une partie sur 10, à mon avis. Tu fais chier. Après j'avais fait le un peu Black Ops sur Black Ops 4. Ouais j'ai fait une partie où je me suis fait chier, je suis arrivé top 4 je crois si je dis pas de bêtises. Je me suis fait chier. Je suis arrivé bon. Ouais. Trop bien. Après j'ai joué avec des potes, je mourrais. T'as un mec qui arrive derrière toi, je fais bon génial. Comment j'ai une question, tu sais comment on fait pour tu sais pour quand tu les transmogrifies, comment avoir les petites boules là pour modifier les textures? Alors là. Ah les textures. Attends. Je suis dessus. Vous n'avez pas assez de pierres de transmog pour appliquer cette trans. C'est dans le pass de combat qu'on a ça? Les genres d'orbes comme ça, je ouais, vois. Je vois que la teinture faut acheter. Ouais. Les orbes, Je crois que c'est dans le pass de combat, les pierres de transmog. T'en as pas comme moi, en fait. Enfin, t'as payé le pass de combat, toi? Oui, je l'ai payé. Attends. Et bah, tu pourras en avoir au palier 17. 43. Ah bah... 17. Ah bah d'accord.
Ah mais on peut le faire qu'une fois du coup, 17-43. Deux fois. Ouais. C'est un peu nul. Il faut avoir un autre moyen. Bah, en fait moi j'ai des skills, les skills que tu vois, j'ai pas besoin d'aller les boules vertes. Donc ça c'est déjà bien. Pas vraiment. Putain je viens de capter, putain tous les packs de textures, faut les payer et tout, il faut les débloquer. Bon attends les débloquer tu me diras. Ouais. Par contre ta recherche commence... Personne n'a envie de le faire ce monstre j'ai l'impression. Non. Pourquoi tu dis ça? T'es jaloux? Parce que moi je l'ai débloqué. Quoi? Attendez quoi? Pilier de pierre. J'ai débloqué un truc, c'est pilier de pierre. Tu sais ce que c'est? Franchement, m'en fous. Je t'emmerde. Bon, par contre, eh, hey, je peux me mettre tout nu. Si je veux, je peux faire en sorte de pas mettre de masque. Je savais pas. Est-ce que je peux mettre tout nu au niveau du plastron aussi? Non, c'est juste masque. Ah non. Dommage. Parce que si t'as fait de belles têtes et qu'on la voit pas, c'est un peu con. Ça sert à rien de faire une belle tête. Ouais. De toute façon, tout est moche dans le jeu au niveau de du cosmétique. Ouais, surtout la femme à la barbe blanche. Ouais. La femme du mec là. La chelou. Ah putain, 7 minutes, non 8 minutes de recherche. Ah là là là. Et je ne peux même pas annuler. Parce ah si, je viens d'annuler. Ouais mais tu vas le faire mais ça va bugger. Ah, au moins quand je le faisais ça... Non ça a vraiment fonctionné. Ouais moi aussi, mais je crois qu'elle a expiré plutôt. Touloulou. Windows a cessé de fonctionner. Non c'est... Notif. On va faire un puissance 9 pour la peine. Quoi? La PLS. Oh, je vais trouver le dernier! Ouais! En plus, il me dit, t'as regardé sur le toit? Ouais, ouais, j'en ai récupéré un sur le toit. Bah, l'autre était encore sur un toit. Ah, cher! Une fois, j'ai cherché pendant, je crois, 10 minutes, et en fait, il était juste là, regarde, au spawn. Juste là. Et genre, je spawnais à côté, je suis parti en mode oui, ou pendant 10 minutes, j'ai cherché, il était là. J'avais le seum. Ensuite, je suis monté sur un toit et je me suis suicidé. Sinon, si on trouve pas, tu lances des patrouilles. Ouais. Ça, on a la surprise du monstre. Oh, god damn it, bro. Oh, god. Non, non, non. Oh Pouti Pouloulou Pouti. On fait des danses Fortnite nous ou pas? Je suis anti-danse. Sauf dans Forza Motorsport. Bah les couilles j'en fais une. Sauf dans Forza Horizon 4. Et je l'ai. Dans Forza Horizon 4, on s'est tapé un dire avec un pote. C'était avoir les bottes de canard. Et t'avais une danse, alors t'avais pas de couvert et tout. Et on faisait coin 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 coin. Bref, c'était un gars. Vous étiez chelou. Hein? Non. Oh. C'est ça. Merci. J'avais mal au nez, ça devait sortir. Bah, pa da 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 da. Ça vint du cœur, l'eau. Fourniture, ça. Ah, tu sais quoi? Tu vois, pour les pierres, là, de transmog, ça coûte 250 platines pour en avoir 5. Oh. Oh. Un message de Vinci. Le gars, quoi? J'arrive à... J'arrive ça, télécharge le jeu. Je suis fier de toi, Liti. Vitality? Non, Liti. Pas Vitality, Liti. Connais pas Liti. Ah oui, c'est le mec avec un... Ou la main, je connais pas. Je ne juge pas. Attends, je reviens, j'ai utilisé la carte bleue de ma mère. Non, je rigole. Je re, à toutes. Oui.
Ouais, on va regarder. Les maîtrises. Je vais essayer de faire de putain. Maintenant ils vont envoyer des messages, au lieu d'envoyer des messages sur le Twitch, ils vont l'envoyer sur sur la Xbox, c'est cool. Là, il me reste quoi comme défi marteau, tiens. Oh, faut que je joue avec chaque type de marteau. Wow, c'était sérieux. Donc les défis, infliger 2 millions de points de dégâts avec les marteaux, génial. Étourdissez des behemoths 25 fois avec l'arme. Ok, moi je fais ce que je fais. Infliger 50 000 points de dégâts à des behemoths avec l'arme suivante. Oh, match roué. LOL. Hey, mais j'ai ma gameuse qui joue à Dauntless aussi. Et l'autre con il est parti faire un truc. Un gnasheur HQ. C'est le premier monstre mais en mode XXS la puissance. Zelda est revenu. Ok, ok. Oh, là, tu dis Xbox pour my canal, Dantless Bishop, c'est amuse. Apex et les gens. Il y a encore des gens sur Apex. Il y a encore des gens sur Counter-Strike. Attends, il y a encore des gens qui s'appellent Oxyburn. Non. Tu vois des gens que ça faisait longtemps que tu les avais pas vus, quoi. Encore, ça existe des gens qui jouent encore à FIFA. Eh ben dis donc. Death Run 9. Final Fantasy 9. Oh putain, lui. Attends. Parti en cours. Zelden. Mind ta chatte, Zelden. Mind ton cul. On va galérer. Go go Power Ranger. Eh vas-y, je fais un Ranger rose. Ouais. En fait c'est Gnasher niveau 9. Wouah, attends. Bah ouais. Oh, il t'a mis cher. Il m'a mis en blessure et d'un coup ça ma vie il a fait. Comment dire que ton niveau 9 je le sens pas. Ah moi non plus. Il est un peu dur, je crois. Ouf, il m'a déjà mis 1000 life, hein. Il m'a donné que 2 coups pour l'instant. Depuis le début, il m'a donné que 2 coups. Hein.
Et je suis mi-life, et oui. Il m'a mis mi-life, mon connard, quoi. Alors, moi, je crois qu'on va partir sur autre chose. Mec, mais il est trop dur, ce Nashor niveau 9, là. Oh, je l'ai bien enchaîné. Il fait la technique de la tondeuse. Mais top, il a esquivé. Il m'a pas touché, il me touche même. Mais calme-toi. Je t'esquive deux fois de suite. C'est abusé par contre ce qu'il met, hein. Putain. Aou. Si je concentre dans l'endurance, je perds de la vie. On va stopper l'endurance. Plus c'est un défi, il faut le dégommer en 3 minutes cette version. Ah bon? Ouais. J'ai jamais vu ce défi. Hein. J'ai vu en... C'est un Gnasher en rage queue à finir la tuer en 3 minutes. En fait, quand j'étais en train de faire la sorte, ouais, il faut être puissant, je crois. Ah, là, c'est quand il va péter un câble. Comment dire qu'il me reste déjà plus qu'une potion? Moi aussi. Je crois que dès qu'il a plus sa queue, on peut être bon, hein, mais. Mais j'ai fini, mais il bouge sa queue en même temps vers moi. Oh, tu le fais focus. J'ai utilisé une potion, j'ai l'impression que je me suis pas soigné. Non, c'est possible aussi. Mais si il écrit 0, c'est qu'il y a un problème. Non, c'est parce que j'étais en blessure aussi. Et mon endurance il était à 0. Oh, ah ouais, ok. Putain. Pourtant en défense j'ai que 25, il faut être à 325 et je suis à 300. Ah oh bah c'est... Après il y a des grosses attaques, hein. Je crois que dès qu'il a plus de queue ça pète bien. Mais arrête de faire le kangourou quand je suis à côté de toi, fils de... Tu vas me donner un abonnement, non? À force que je te regarde. Bon, bon j'ai pris le karma, mec. J'ai pris le karma. Bon, attends, je vais reculer, parce que là, il va me saouler. T'as vu ce qu'il fait, mec? Mais oui! Tu m'étonnes qu'on a mis une heure à se trouver une partie. Tu m'étonnes, personne ne le fait. T'as vu ce qui... Et il y a un... Si on le reçut pas, en fait, on a... Oh! J'arrive. T'as vu les coups de te réanimer, hein. Ouais, j'avoue. Bah au moins, on est réa tous les deux. Attention, il va faire la tondeuse. Bon, pas. Le seul moment où je l'attaque, c'est ce moment où il fait son attaque bien relou là. Ah bah c'est bon, je suis KO moi. Si tu peux venir. Ah bah non. On est tous morts. Ah bah vous êtes rares tous les deux. Ouais, c'est notre truc, c'est game over. Ah, ça a bugué. On adore les réanimations buggées. Oh, une fois y'a un mec qui a mis 5 minutes à me réanimer. C'est pas mal ça. Record mondial, non?
Ouais. Et c'est pas qu'il s'occupait du monstre, c'est qu'il était à côté de moi. Allez, essayez. Putain. Bon bah écoute, dès qu'on sera en danger, soit on sera pas dans la merde, de vie. Hein, ça je te le dis. Hein. Soit y'a pas beaucoup de vie, bon, je me dis... un peu con l'allié. Et l'allié, c'est le mec qui... Non mais qui... oui, surtout, ranime-moi alors qu'il y a le monstre devant. Oui, t'es intelligent toi. Ouais, bien sûr. Surtout que moi j'étais bien loin du monstre. Il se fait enchaîner par contre. C'est une victime. Ah bah nickel. De toute façon je crois que c'est fini hein. Il est un peu dur hein. Là faut le fuir. J'avais jamais essayé de le battre. Bah là on est fixé. Ouais son truc. Bon à un moment donné faut que je me mette à maîtriser les esquives. Ah bah moi aussi. Par contre j'ai soigné, il a déjà fait y mettre un coup de queue quoi. Moi perso tout ce que je vais faire c'est courir. Attendant qu'il s'enfuit. Je sais pas toi. Non, moi je le tape. Non, moi je vais le taper aux occasions, hein, mais par contre. Ah bah voilà. Nickel. Bon bah on va monter aller chercher du coup. Parce que j'ai plus de popo moi. Je sais pas toi. Ah, mais j'ai plus rien. On va peut-être une réanime, c'est tout. Moi je crois que j'ai une réanime. J'utilise pas du... Moi j'ai utilisé que deux coups de source, donc l'autre il bouffe tout mais après il fait ce qu'il veut. Hein. Il en a encore normalement. Il a bugué. Ouais, il y en a encore. J'aurais dû la fermer. Ah ouais, là t'aurais dû vraiment la fermer parce que tu sais bien ça quoi. Tu peux me réanimer normalement. Je vais. Non. Ok. Ah bah nickel, non. Ça valait la peine hein, de réanimer. En plus, il peut pas bouger 2 secondes d'aller sur l'allié là. Non, tu m'as. Économisé un truc. Et je suppose que vous avez bouffé toute la fissure, évidemment. Et après, on parle de moi. Moi, et eh mec, moi j'ai. Je sais que c'est l'autre. Coups, l'autre, il en a mis 4. Hein. L'autre, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a tout bouffé d'un coup. Mec, j'ai esquive, je l'ai pris quoi. J'ai plus de réa. J'attends qu'il finisse sa phase rouge parce que sinon je crevais et je pourrais plus jamais vous aider. Il est fatigué, je crois un peu. Hop, c'est. Là, il est plus fatigué par contre. Par contre, il s'en bat littéralement les couilles de toi quoi. Et l'autre il a plus rien. Ah si. Moi j'en ai plus par contre. Bah voilà. Ah. Comment dire? T'es tout seul. Attention. Tu gères.
il réagit pas depuis tout à l'heure. De quoi? Il réagit pas pour moi depuis tout à l'heure. Bah ouais, c'est bien. Il est peut-être bugué. Ah là non, je crois. Ok. Ah là, il va réagir, non? What? Mais pourquoi il réagit pas? Bah c'est bien, mais. Ah bah s'il réagit plus, c'est nickel. Ah non non non, attention. Écarte-toi. Hein. Là je crois qu'il réagit encore. Hein. Ah ouais ouais, là il réagit. Ah bah ouais, il réagit très bien d'ailleurs. Hein. Ah, j'avais plus de ça. Ah. Je pensais qu'il me restait un truc. Rip. Ah, vite après. Bah rejoins le groupe d'amis, il est ouvert normalement. Que là c'est ouvert. J'en sais rien. Ouais, ouvert à tous. Bénédiction du Slayer. J'ai eu une fleur, c'est pas mal. Ah bah c'est moi qui l'ai ramassé. Il me reste plus que 7 étourdissements. Et je reviens. Toi t'es posé tranquille chez toi en fait. Non. Non, je vois avec ta jambe là. Ouais. Mais, attends, je reviens, je vais pisser un coup. Le temps que Bidjo apparaît vite. Bidjop. C'est quoi dans le pseudo Bidjop? Je te rajoute pour t'inviter. C'est le même que sur Twitch. Bidjop. Ah ouais, bah c'est le même. Ouais, voilà. Bonjour. Oh par contre, coupe le son du live, c'est juste horrible. Oh. Allô. Bidjop, je sais pas comment ça s'appelle. Bidjop. Ah ok. Je m'entends en double, c'est, je sais pas si c'est normal. Je sais pas si c'est chez toi ou chez les autres. Ça bug le micro. Chérie, je l'ai rajouté pour t'inviter. T'es niveau combien? Je t'ai invité à un beat-up. Me voilà. Il est là le ouais. Couillon. Bah il y a Bejo qui est là, ouais. Merde. Mais il parle pas beaucoup. Un micro ça s'active. Non non mais il est activé, il t'a fait. Fais pas le malin toi, parce que franchement entre nous deux ça fait presque 3 ans qu'on s'est pas parlé. Hein. On s'est juste écrit sur un chat, mais sinon. Ouais. Bon. Il reste plus critique quand il aura téléchargé le jeu. Et du coup, t'es niveau combien, Bidjop? Je sais pas comment ça s'appelle. Sauf que j'ai commencé. Appelle-moi Job, ça ira plus vite. Ou Job. Job. Les trois dernières lettres. C'est plus court parce que okay. J'arrive jamais à retenir les gens. Bon, je simplifie. Du coup, on va devoir faire l'émission début pour voir t'aider. T'as déjà commencé un peu le tuto? Ouais, j'ai déjà tué une dizaine de monstres. Faut juste que tu rejoignes. Faut que tu rejoignes via le menu. Du jeu. Pas comme t'appuies moi, sur les deux carrés c'est sur ma faute. Hâte de m'inviter parce que franchement là, je vais signaler pour spam ça. Il est toujours à 30% du jeu, on sera déjà tous couchés. Je vous. Deux secondes, je...
Alors, paramètres. Audio. Je verrai ça plus tard. Putain, des pas de chasse. Il reste encore 7 étourdissements à faire. Ouh, mais ça va être marrant, ça. One moment, please. Ouais, je vais pas fabriquer. Oh, c'est quoi ça? Hello there, Slayer. Remember, ready, aim, and fire the coming storm. Moi, je peux tellement tricher, tu peux payer pour monter de niveau avec le pass de chasse. Dans Fortnite. Ah, Fortnite, j'ai jamais joué donc. Enfin, j'ai. Vu qu'une fois. L'armure, c'est bon. C'est pas d'intérêt à faire ça. J'ai vérifié un truc, c'est parce que. Oh putain, mais des fusions de cellules. Encore 23h et 30 minutes restantes. To the hunt. Nickel. Écoute, t'as pas rejoint là? Non, mais quoi, j'ai rejoint la partie, mais je crois pas que j'ai rejoint le groupe. Que quand t'es dans le jeu, dans la ville, faut que t'appuies sur select. Et après, quand t'as le groupe, faut que t'acceptes. Enfin, c'est par là, c'est via un nom qu'il faut que t'acceptes. D'accord. On peut créer une guilde? Ouais, moi j'en ai une perso. Genre, je sais pas, t'appeler la team papa. Non, Gamercorp. Et ça doit déjà exister sur moi. Ouais, tu peux l'appeler, mais ça doit faire 4 caractères. Ça doit faire 7 caractères maximum, par exemple. Gamercore. Gamer C. Gamer C. Ou la Gamecorp, tout collé. Ça fait 7. Que j'allais faire. Un peu con, Ken. Du coup, Jop, on lance tes missions. Vas-y. T'es mes chefs. Vas-y. Non, non, voilà. Vas-y, lance les tiennes, hein, comme ça doit augmenter. Ouais, mais tu vas te faire laver un peu sur les miennes. On va mettre l'autre alors. Je t'ai mis chef. De toute façon, nous, ça nous rapporte quand même de l'XP. Hein. Il y a les défis. Donc Ouais. On se passe tous le relais. Maintenant c'est toi, Rezo, qui est chef. Oh, attends. Si tu veux lancer quelque chose. Mode. Tac de team déjà utilisé. Ah, tu utilises des majuscules ou des caractères spéciaux, je sais pas. Non, caractères spéciaux ça fonctionne pas, je crois. G-Corp.
G corp. Ouais. Non, G tiré corp. Il doit contenir entre 4 et 15 lettres chiffres. Au pire, tu mets la G tiré corp. Putain de ma gueule, il fait. G A M E R espace C. Non, mais 7 caractères. Ah ouais. Oui. G A M E R espace C. Gamer C. Mais non, mais je croyais que t'allais, dire gamer corp avec un espace et tout. Tellement ça. Ça va jouer salaud ça. Voilà. Zedan, du coup t'as déjà une guilde, mais je t'invite quand même ou quoi? De quoi? Bah, tu restes sur ta guilde toi je suppose. J'ai pas compris mais... Tu restes sur ta guilde? Tu restes dans ta guilde. Ouais, moi, ouais. C'est avec un pote. Vas-y, vas-y, ok. Du coup, faut changer. C'est le caillou. Bah, vas-y, lance ou mets-moi chef comme tu veux. C'est quoi? Patrouille. Allez, on choisit quoi comme patrouille? Neutre, en descente, gifre, foudroyante ou terrestre? Féroce. Non, je rigole. Bah, neutre. Enfin, je sais pas si c'est le truc le principal, neutre. Allez, neutre. Au moins c'est pas trop dur pour lui. Ouais. Continue quand même, job. Je sais plus trop rien, je sais pas où ce que c'est marqué lui. En haut à gauche. Ah mais moi il est coupé par mon écran. Il est bugué mais... Ah moi aussi. Au pire tu fais start, maîtrise. Ou juste start et il est en haut à gauche. Fais start et il est en gauche. 5, bah ça va. J'ai joué que... J'ai à peine fait genre le... Un monstre ou deux sur play. Et quand j'arrivais sur Xbox, ça avait tout sauvegardé, donc j'ai gardé. Moi aussi sur Play de base. Ouais, donc c'est un petit monstre. Ouais, moi j'ai personne avec qui jouer. Mais au final, ouais, on peut lier les deux consoles. Ils ont fait une multiplateforme. Je peux inviter des potes qui sont sur Play. Ouais, mais c'est pas Epic Games c'est qui permet ça. Pour permettre le multiplateforme, il faut, bon, PC, de base, c'est accepté. Ensuite, pour Play et Xbox, faut voir avec les développeurs, littéralement, les administrateurs. Xbox et PC, généralement, c'est OK facilement. Oui, oui. Et après, c'est Play. Il faut voir directement avec les créateurs. Par exemple, Fortnite, ils ont mis 2 ans. Mais là, Xbox et PlayStation, ils deviennent potes. Et du coup, t'as le PlayStation qui vont louer les serveurs de Xbox. Du coup, normalement, ça devrait être peut-être plus simple cross-platform. Normalement. Ouais, mais bon. Là il devient pas parce qu'il y a Google qui se pointe et Amazon qui va venir un jour. Avec leur console. Ah le con, j'ai vu dès qu'il met mes grenades. Bon ça va, c'est... Apparemment c'est pas un monstre de ouf. Hein. J'ai même pas regardé c'était lequel, c'est Killshot, Shrike, c'est les boules, là, je ou Gnasher. Ah les boules, je l'ai fait tout à l'heure. C'est le Shrike. C'est lui que j'ai testé la première fois mes pistolets. Moi je trouve le meilleur dans ces missions c'est le Killshot parce que c'est la meilleure armure pour moi. C'est le Shrike quoi. Celui-là faut lui mettre un coup critique quand il vole et qu'il rush. Tu le fais tomber. Par terre. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est un saut sur toi. Ne plains pas, le tranche-lune il te saute dessus et puis il te ressaute dessus. En fait, il fait un petit bond et il te ressaute dessus. Là, il va voler, non? Ah non. Raté.
Putain, le Gunnashard de tout à l'heure, je suis quand même dégoûté. S'il avait continué à bugger, ouais. Je l'aurais niqué. Ouais, ça aurait été bien, mais elle s'est... Allez, c'est énervé. Genre du mélange. Ça a débugué. En fait, dans ma tête, j'avais encore une résurrection. Une résurrection dans ma tête. Du coup, j'étais pas très prudent. Ah, moi, je le calcule jamais, les résurrections. Je l'ai fait tomber. Bingo. Génial. Mec. Ça. Oh non, là, il est mort. Pas encore, mais il prend chaque fois. Ah, je me joue, tu as un boost de dégâts. C'est cadeau derrière vous. Oh ta mère, une vie. C'est l'air. Oh là, il va voler. Mais... Allô. Ok, il se remet normal. Je vais casser une de ses plumes. Oui. J'essaie de le refaire tomber. Il est mort, je crois, non? Oh non, carte de maîtrise dévoilée. Attends, faut tomber. Oh, encore une carte de maîtrise. Ça va faire mal. Ça, en vrai, si tu tombes avec des bas niveaux, enfin si c'est avec des niveaux genre de ton niveau job, ouais. C'est tellement long cette mission parce qu'il y a personne qui le fait tomber comme ça. Ça, c'est bien relou quand tu te prends de 30 temps. Genre, tu regardes, il se casse alors qu'il est déjà presque mort. J'ai vu ma vision, mon bout de dégâts direct. J'ai balancé une épée, il a pris quoi? Il l'a regurgité direct. Comment je chope de vodka? En vrai, c'est simple, hein, dès que t'as pris l'habitude. Je viens à peine de commencer, c'est ma troisième mission avec des pistolets. Mais vu que j'ai joué à beaucoup de jeux, Garde un foire, Halo, tout ça, où faut tirer GG. Franchement. Quelqu'un a trouvé? C'est moi, je l'ai déjà mis à 1187 là. Je relance une fer. Ouais, t'inquiète, on est là. Ok. Tant qu'on aurait eu l'heure déjà tué. Non, quand même pas.
déjà presque mort. Allez. Putain. Viens, petit hibou. Viens, que je t'encule. Ah. Tu vois ça? Ah, c'est bon. Assez rapide, hein. Assez rapide. Ouais, oh, j'avoue. S plus. Aussi le nombre de fois que je l'ai fait, ce boss-là. Je farmais le kill shot là-dedans, donc une chance sur toi de tomber sur le kill shot. Il me reste 4 étourdissements à faire. Oh putain. Ça va. Yeah. Eh, mais je l'ai bien étourdi, ça veut dire celui-là. Bah ouais, mais t'as vu tous les fois. Moi je crois que je l'ai étourdi je sais pas combien de fois là. Mais après c'est parce que je tire de loin aussi. Ouais. Toi il est plus lent, ça le problème. Et dès que j'ai fini cette histoire de marteau, je reprends mon épée et je refais mes défis sur l'épée. Vas-y, tu t'es cru dans Destiny, frère. Le mec, il a voulu jouer l'épée et il balançait des attaques. Bon, écoute, Destiny, j'ai joué au 1, j'ai kiffé le 1 jusqu'à que je finisse le jeu et je me suis dit putain, c'est fait enculé. Moi, j'ai joué le 2. Et c'est le pire, c'est la pire erreur. Non, mais niveau contenu, que dalle. J'ai le 2. Ouais, en plus ils ont tout refait. Bah, c'est full payé. Ils ont repris toutes les lignes de code du 1 et ils l'ont transféré dans le 2. Ouais. Mais c'est con. Et ensuite ils ont fait payer pour avoir des niveaux 50. Putain. Ouais, donc je disais, c'est con quand même parce que le jeu en comité, le gameplay il est beau, graphiquement il est beau. C'est, le jeu il était bien, mais quand j'ai fini le jeu, je fais attends, il y a que ça comme contenu. Après tu te fais chier, ouais, t'as fini le jeu, tu fais après. Oui, je sais, mais... merde, à la limite, qu'ils fassent pas des DLC, mais tu vois... Destiny, qui sait qu'ils fassent... t'achètes le jeu, mais tu sais qu'ils fassent des contenus supplémentaires, tu sais, gratuits, mais qu'ils te fassent des packs... tu sais, des lootbox, ou enfin des... Des trucs bien. Tu sais, des trucs bien et tout. C'est ce qu'ils avaient fait à Halo 5, ils avaient rajouté plein de contenus gratos. Et derrière, tu payais des box et tout pour avoir des cartes et tout pour le... 15 secondes. Enfin, tout un bordel, quoi. Ouais, mais c'est le temps d'aller voir l'autre vendeur, je crois. Destiny, c'est quand même la plus grosse escroquerie du monde, quand même, ce jeu. Ah non, c'est Star Wars. Ouais, de toute façon, depuis le temps, ils auraient pu se rattraper. Mais j'ai appris qu'en fait, maintenant... c'était quoi? Ah oui, tu sais que c'est une association entre les mecs qui ont fait Halo et les mecs qui ont fait Call of. Bungie et Activision. Ouais, ouais. Bah là, mais entre temps, ils ont annulé l'association et ils ont récupéré Destiny, ils sont barrés avec. Ouais. Ça se trouve, le 3 il sera mieux. Ouais. Encore le Shrike. Ce qu'il y en a. C'est encore le Shrike. Tant mieux. J'ai deux fois la puissance et encore plus. Ouais, il faut. Ça va être sympa. Et il y a quoi d'autre comme jeu Anthem? Je l'ai même pas acheté, je le sentais. Comment dire? Je le sentais l'arnaque. Quand tu montes le premier trailer. Anthem, je connais le nom, mais j'ai jamais joué. Ah bah, je joue pas. Je sais même pas ce que c'est. En fait, quand tu vois le trailer à tout, tu te dis putain, le jeu il va être magnifique et tout. Et quand tu vois les images du jeu, tu fais. C'est comme ouais. Lego, donc le trailer de Anthem, ils l'ont sorti il y a 3-4 ans. Oui. Mais au final, quand tu l'es sorti, ils ont fait des bêtas. Et au final, en 3-4 ans, franchement, ils auraient pu faire quelque chose. Tu sais, l'améliorer. Mais en fait, ils ont laissé ce qu'ils ont. Le rêve qu'ils ont sorti dans les thrillers d'il y a 3-4 ans. Et entre temps, ils n'ont pas pensé à faire des trucs améliorés. Parce que vu qu'il y a un nouveau jeu. Ouais. Il y a qu'un jeu que j'attends. Pas dans le sang. Il n'y a que ça que j'attends. Les enfants. Bah, dans le sang, je lâche tous les jeux pour. C'est une campagne à 4. Hein. Et en plus, j'ai pris le Deluxe Edition.
Et avec le Deluxe Edition, on a le skin des talons du cul, mec. Avec cornes en diamant. Je sais pas quoi il va ressembler, mais j'espère. Tu l'as jamais vu, les talons du cul? Si, si, non mais oui, mais le skin, je veux dire. Il va ressembler à quoi? Ah, tu sais que moi, vu que je joue à Axton, j'avais un skin spécial où genre j'avais une tête et une apparence c'était mon du cul. Genre je me baladais en rose avec des licornes partout sur le corps et j'ai à un moment donné je me baladais, je crois que c'était une tête ou une arme, genre en diamant, en craché, genre des flingues. C'est complètement chelou. Ah oui. Allez là. Allô. Regardez, y'a un truc de dégâts, prenez-le. Y'a où? Ah ouais, c'est pas vrai. Ah c'est bien, en fait je crois qu'il faut toujours un mec au flingue dans l'équipe. Regardez, il va avoir besoin de soin. J'ai un petit cadeau pour ça. Allô mon pote. C'est le tank. Je suis en train de faire le con. Ah, il tombe. Je l'ai mis un seul coup par contre dans le cul. 200. Il était pas vénère puis il était vénère. Je l'ai fait tomber normalement. Ouais, ouais, tu l'as fait tomber. Nickel. Il est glissé sur moi. C'était bon. Il a voulu te foucher. A chaque fois c'est drôle, il est vénère puis il est plus vénère. Ah, et j'essaie de le refaucher. Merde. Hop là. Il a plus de pitié, le pauvre. Ah, c'est cadeau. Il s'est victime, le pauvre. Il a rien demandé, le Shrike. Il tombe sur des mecs qui ont deux fois la puissance. Ah, j'ai pas réussi cette fois, dommage. Il était trop vite pour moi. Ouais, bah attends. Il était pas en face de moi, j'étais pas prêt. Ouais, il est. Ouf, il est franchement cher, hein. Hop, des petits coups par-ci, des petits coups par-là. La boost de dégâts améliorée. Il le veut. Je vais le prendre. Ah bah ça fait du bien le petit boost de dégâts amélioré. Ah, étourdissé 25 fois avec l'arme du marteau. J'ai. Ça veut dire que je vais pas tarder à avoir mon défi. Intérêt à bouger mon pote. Je dois être à 27 fois. Mais je t'ai déjà cassé, c'est une blague. Ça va, y'a qu'un. Avec lui, on sait. C'est quoi les petites lucioles bleues à la Zelda? Je me mets pas un balle, moi, je sais pas. Non, c'est. Je sais pas du tout, mais. Si je l'étourdis maintenant. Ouh, presque. Mon pote, tu vas me le payer. Ok, prends ça. Oh l'enfoiré! Et gueule! J'ai failli le retirer. Je suis pas prêt à chaque fois là quand ils sont jaunes.
pas mes 3 missiles, je suis pas serein, tu vois. Réseau qui prend cher. Ouais. Ah, là je vais le faire tomber. Vas-y, pars mon coco. Reviens. Bingo. En fait, c'est plus facile pour toi. Pour moi, c'est plus facile, ouais. Je sais pas, tu parlais à qui. Mais moi, du moins, je facile quand ils volent. Le Tilly est encore là. Putain, non. T'es bout de dégâts. Merci. Hop là. Sans parce que je peux même jouer une main si je veux. Hello. Je vais te faire one shot après. Heureux qu'il l'a pris. Je vais pas me faire one shot. J'ai une armure qui fait du 320 et il faut 150 d'armure. Toute ma gueule que je vais me faire one shot. C'est déjà fait. Tu vois, déjà, tu vois, pour l'instant il connaîtra pas encore la... La longueur des combats. S+, S+. Le temps que t'apprends. Bonus, coffre de patrouille. J'ai eu 26 orbes neutres. Il me reste plus qu'un étourdissement à faire. Ça va. Et après demain. Ou après demain. Je sais pas quand ils disent il reste une journée, après ils font 13 heures. Donc je sais pas. Après il y a un autre défi hebdo même mis à faire. Et là ils disent ouais faire je sais pas combien de dégâts au marteau. Putain le marteau. Après je vais rejouer à l'épée, ça se trouve je vais dire bon finalement le marteau était bien. Alors on va prendre l'épée, je sais que l'épée est mieux. Je sais que l'épée elle est mieux. On espère qu'on retombe pas sur un Shrike cette fois. Un petit cul shot, ça peut être amusant. Depuis tout à l'heure, je suis en train de tirer, mais j'ai même pas le temps d'améliorer mes armes dès qu'on revient sur la map. Bah, faut se dépêcher. Dépêche, cours. Ouais, mais à peine t'arrives. Course contre la montre. À peine tu es arrivé, allez, on lance. T'as pris au moins tes quêtes. Les points d'interrogation, exclamation. Bah ouais, je les prends. Je même que je les valide à chaque fois.